Avant que ne débute ce match très attendu, la caméra qui s'attarde sur celui qui pour l'instant occupe la tête du classement des buteurs et qui va tout faire pour marquer encore une fois aujourd'hui. Bonjour, bienvenue à vous qui nous rejoignez avec à mes côtés un certain Pedro Menes. Bonjour, c'est Pedro, et bonjour Hervé, et bonjour à tous. Et dans ce match, nous retrouvons Lille face à Toulouse. Un match où l'on va suivre le TFC. Une équipe qui aimerait décrocher une place en UEFA Europa League en fin de saison et qui est bien partie pour, avec 2 victoires en 2 matchs. Un petit mot sur les deux équipes. Sur le papier, c'est très équilibré. Oui, on peut en effet s'attendre à un match très équilibré. L'équipe qui marquera le premier aura probablement fait le plus dur, c'est clair. Un joueur qu'il faudra surveiller dans ce match, à mon avis. Son doublé lors de son dernier match avait marqué les esprits et en pleine confiance. La composition du LOSC, regardez là. L'entraîneur a choisi de densifier son milieu de terrain en alignant un 4-5-1. On va donc voir un bloc assez homogène, évidemment pas du tout évident à bouger. Alors que vous découvrez la composition de cette équipe de Toulouse. On voit maintenant le dispositif retenu par l'autre équipe. Ouais, comme tu peux le constater, on a choisi de part et d'autre d'évoluer en 4-5-1. Capoue. Elgazi. Ouais, ça sort. Ce sera une touche donc. Yacine Benzia. Ils attendent une ouverture dans la défense. Elgazi. Ça ne sera pas facile à exploiter hein, comme ballon. C'est un corner pour les Lillois. Il a cherché le point de pénalty sur ce corner et on a dégagé pour écarter le danger. Oh, il a réussi à passer. Elgazi. Ouais, c'est bien centré parce qu'il y a du monde. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Iranchouk. Steven Moreira. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Le dégagement pour éloigner le danger. Chargé. Moses Simon. Iranchouk. Torres. Ouais, c'était pas loin, hein, mais le ballon est dégagé finalement. Yacine Benzia. Toulouse, qui va tenter de surfer sur la vague de sa dernière victoire à domicile face au Paris Saint-Germain. Une victoire intéressante, acquise sur un beau score de 3-0. Mais là, l'adversaire est quand même d'un autre calibre. En retrait pour un coéquipier. Jonas Ramalho. Georgie. Iranchouk. Ouais, la frappe. Un superbe exploit du gardien sur ce plongeon. C'est un corner pour les Toulousains. Le tireur qui a visé la zone du point de pénalty. Christopher Julien. Corentin Jean. Alors, pas très bien exécuté cette volée. Ah, il a mal jugé la trajectoire. Forcément, ça ne pouvait pas donner grand-chose. Yacine Benzia. Oh, c'est bien donné en profondeur. Ah, il va centrer, il va centrer. Oh, le grand danger. Bah, pas facile pour le gardien, mais il s'est interposé. Oh, il a sorti du grand jeu sur cette tête.
Oui, il a bien lu le jeu. Ballon intercepté. Un tir loin. Oh, la frappe incroyable! Surpuissante! Quel exploit, quelle puissance sur cette frappe. Le pied d'appui est bien placé au moment de la frappe, c'est magnifiquement fait. Une frappe puissante avec en plus la précision qui vient battre le gardien. Dès le départ du ballon, on a senti que ce ballon avait un bon avenir. C'est le LOSC qui est devant au tableau d'affichage. Voilà, je ne sais pas ce qu'il avait en tête. Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. Chaka. Pas beaucoup de temps additionnel, hein, seulement 2 minutes. Galvez. Et la passe qui trouve un joueur de l'équipe adverse. Et voilà, déjà 45 minutes de jouer dans ce match. Et c'est donc reparti pour 45 minutes. Oui, l'arbitre vient de siffler à l'instant. Et Hanchouk, Moses Simon. Rafael Leão, Chaka. Ah oui, la bonne passe. Yacine Benzia. Le centre au second poteau. La parade du gardien qui repousse le ballon en jeu. Voilà, coup franc. La bonne interception. Bonne prestation de ce joueur dans cette première période, Pierre, non? C'est grâce à lui si son équipe est devant à la pause avec ce but marqué juste avant la mi-temps. Ouais, pas de prise de risque, ballon dégagé. Avec ce changement tactique, l'entraîneur qui espère redynamiser son groupe. Chaka. Allez, il lève la tête. Hors jeu indique l'arbitre. À mon avis, de très peu. Hein. Nous aurons rendez-vous avec la Ligue 1 Conforama pour cette rencontre. Lille accueillera le Paris Saint-Germain. Ouais, un match que j'ai hâte de commenter avec toi, Hervé. Oui, oui, il faut être absolument. Un joueur du mur qui s'avance. Ouais, bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. Alors qu'un changement a été demandé, a priori. Ce sera pour le prochain arrêt de jeu. Baptiste Santamaria. Alors qu'on arrive aux deux tiers de cette rencontre. Plus qu'une demi-heure à jouer. Bonne anticipation sur cette passe. Le tir. Oh, il y est! Oh, le but qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre. Allez, c'est dur à digérer pour l'adversaire, mais on a déjà vu des remontées plus spectaculaires. C'est pas terminé, même si ce sera dur. Un but plein de spontanéité, la frappe était parfaite sur la droite. Le réalisateur qui nous remontre ce but. Et les voilà donc avec une avance de 2 buts maintenant. Encore un bon ballon. Il va donc y avoir un changement au prochain arrêt de jeu. Le joueur a fini son échauffement, il est prêt. Yacine Benzia. Et la voilà la frappe. Attention. Oh, la reprise qui frôle le cadre. Ouais, c'était pas facile à réaliser, mais il a manqué d'un peu de réussite.
Que dire du prochain match de Toulouse, Pierre ? Le club va rencontrer Guingamp pour cette prochaine rencontre. Et ce sera pour le compte de la Ligue 1 Conforama. Deux équipes qui se valent et ça va se jouer à pas grand-chose, à mon avis. Il trappe. Oui, ça circule bien, ils construisent tranquillement. Et on l'a dégagé pour écarter le danger. Alors ça, c'est n'importe quoi, cette passe complètement à l'adversaire direct. Allez, le centre maintenant. Un bon ballon qui va peut-être trouver preneur. Ah, ils étaient sous pression. Il dégage. On a beaucoup parlé dernièrement du recrutement du Napoli. C'est maintenant officiel. Hein. Oui, sachez que la transaction se situerait dans des sphères assez folles. Un petit peu piégé, hein, sous pression là. 2-0, les minutes qui défilent. Tiens, on va peut-être évoquer la prochaine rencontre de cette équipe, Pierre. Je crois que Lille doit affronter le PSG ensuite. Alors, l'équipe est sérieuse et appliquée dans ce match. Le résultat est tout à fait logique. Plus que 6 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Oh oui, encore une bonne passe. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Et Hanchouk. Georgie. Moses Simon. Torres. Ah, il a levé son ballon. Oh, personne ne peut l'arrêter. Il est passé. Ah, bien déposé hein, ce centre, mais personne pour le reprendre. Les dernières consignes de l'entraîneur du LOSC qui va donc effectuer ce changement. Oui, on espère bien sûr que le remplaçant entre très vite dans le vif du sujet. On aura droit à 3 minutes de temps additionnel au minimum. Hein. Il trappe. Ah oui, c'est bien fait ça. Moment de conservation de la balle. Ils ont décidé de... Voilà, c'est fait. Le match se termine à l'instant. C'est le LOSC qui l'emporte. I'll never decide.